We greet you all in the name of the Lord Jesus Christ. Let's bow our head and close our eyes. Our Heavenly Father, we come before you, Lord, at this time to thank you, Lord. Because, Lord, if we are able to lift up our voice at this time, if we are able to gather in this place, it is because you showed your grace to each and every one of us. Lord, you gave us the breath of life this morning. None of us knew that they would be able to see this day, but it pleased you, Lord, to renew the breath in our mortal bodies and allow us to see this new day, and we thank you for that, Lord. You also granted us your protection throughout the day, allowing us to go through the day until this time under protection. We thank you, Lord, that you give us this opportunity to be here. And as we come here, we recognize the privilege that we have, that in this time you have given us the grace to know these things that are hidden to the wise and the learned. And you give us the grace to be able to recognize the message that you sent in this time. Our prayer is that you may help us, Lord, to take heed to what you've sent to us, that our lives, Lord, may be changed in such a way that your word may produce in us what you have prepared for us, Lord. May you help us again this evening as we are gathered here around you, around your word, that you may speak to our hearts, Lord, and help us going out of here, we may be better than what we were when we came. So give us hearts, Lord, that are ready to listen and are ready to take to hearts what you will be telling us this evening. May you be with each one of us. We commit to you your servants that you will use this evening. Let us hear from you and not from the men, because we know that the word of the men do not have life, but only your word bring life. So Lord, speak to us through your servants that we may be edified. Lord, we commit this moment into your hands. May you take control in such a way that the glory may come to you. For we pray this in Jesus' name. Amen. Yeah.
Words of life and beauty.
it on behalf to watch and pray and live rejoicing every day. Happy day, happy day when Jesus washed my sins away. Oh, happy I'm
Amen. May God bless you. Amen. Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus Christ. We greet you all this evening in the name of the Lord Jesus Christ. Nous avons quelques requêtes de prière. We have a few prayer requests. Nous allons nous souvenir dans nos prières de notre sœur Christiane. We remember in our prayers, Sister Christiane. Afin que notre Dieu puisse la garder. So that our God may protect her. Jusqu'à ce qu'elle va accoucher normalement. Until she delivers normally. Et nous allons également nous souvenir de toutes nos sœurs qui sont dans la même situation. And we also remember all our sisters who are in the same situation. Nous continuons à nous souvenir de notre frère Gérard. We continue to remember Brother Gérard. Ainsi que de notre frère Mathieu. As well as Brother Matthew. Afin que Dieu puisse les préserver dans so that, leur déplacement. So that God may protect them in their travels. Et qu'il puisse les garder en bonne santé. And he may keep them in good health. Nous continuons à nous souvenir d'Israël. We continue to remember Israel. Afin que Dieu puisse les assister dans la guerre. So that God may help them in the war. Dans la guerre dans laquelle ils sont engagés avec les Hamas, contre les Hamas. In the war they are involved in against the Hamas. Nous continuons à prier pour que Dieu puisse nous assister. We continue to pray that God may help us. Dans le préparatif des rencontres que nous aurons ici en Virginie à l'occasion de Thanksgiving 2023. In the preparations for the meetings that we'll have for Thanksgiving 2023. Et nous continuons à prier les uns pour les autres. And we continue to pray one for another. Afin que Dieu puisse nous assister dans notre marche. So that God may help us in our walk. Je vous invite à vous lever, nous allons lire une portion de la parole. I invite you to stand so we can read a portion of the scripture. Nous lisons dans Romains. We read in Romans. Chapitre 8. Chapter 8. Nous lirons du verset 12 au verset 14. Verse 12 to 14. Lisons. Ainsi donc, frères, therefore, brethren, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. We are debtors not to the flesh to live according to the flesh. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. If you live according to the flesh, you will die. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. But if by the Spirit you put vous to death, vivrez plutôt. If by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Nous allons maintenant tous prier. We'll now all pray. Pour recommander ce service entre les mains du Seigneur. To commit the service into the hands of the Lord. Et nous allons, pendant que nous prierons, nous allons également nous souvenir des requêtes qui ont été apportées ce soir. And while we pray, we also remember all the requests that were brought forth this evening. Prions tous ensemble. Let us pray all together.
Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, Lord, Creator of heaven and earth, nous te remercions de l'opportunité que tu nous accordes ce soir. We thank you for the opportunity you give us this evening. De nous réunir autour de ta parole. To gather around your word. Seigneur, tu as dit que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Lord, you said wherever two or three are gathered in my name, I am in their midst. C'est pourquoi nous croyons que tu es avec nous. That is why we believe that you are with us. Raison pour laquelle nous te demandons, Seigneur, de nous accorder des meilleures dispositions. Which is why we ask that you may grant to us prepared hearts that are prepared. De manière à ce que nous puissions recevoir ta parole. In such a way that we may receive your word. Nous te recommandons ton serviteur que tu vas utiliser ce soir pour nous parler. We commit to you your servant that you will use this evening to speak to us. Nous te demandons de le oindre particulièrement. We ask that you may anoint him in a special way. De telle sorte que quand il va apporter ta parole, in such a way that when he will bring forth your word, qu'elle puisse rencontrer le besoin de tout un chacun. It may meet the needs of each one of us. Car en venant ce soir, nous sommes venus avec des attentes. As we came this evening, we came with expectations. Sachant que toi, notre Dieu, par le moyen de ta parole, knowing that you are God through your word, tu vas répondre aux besoins de tout un chacun. You will answer to the needs of each one of us. Des requêtes ont également été apportées ce soir. Requests were brought this evening. Afin que nous les présentions à ton notre Dieu. So we present them to you, our God. Nous te recommandons particulièrement notre sœur Christiane. We commit to you in a special way our sister Christiane. Afin que tu puisses continuer à la protéger. So you may continue to protect her. Jusqu'à ce qu'elle va accoucher normalement. Until she gives birth normally. Et la gloire te reviendra. And the glory will go to you. Souviens-toi également de toutes nos sœurs. Remember also all our sisters. Qui sont dans la même situation. Who are in the same situation. Nous te recommandons nos bien-aimés frères Gérard et Brother Matthew. We commit to you our brother Gérard and Matthew. Qui sont présentement en Afrique, au Congo plus particulièrement. Who are currently in the Congo. Afin que tu puisses le préserver so that you toutes les maladies. Protect them from all kind of sicknesses. Et que tu puisses également les garder pendant tout leur séjour. And that you may also protect them throughout their stay. Souviens-toi d'Israël, ton peuple. Remember your people, Israel. Qui est engagé dans une guerre contre le Hamas. Who's involved in a war against the Hamas. Et souviens-toi également de tous les innocents qui sont en train de souffrir à cause de cette guerre. And remember also all the innocents who are suffering because of that war. Nous te recommandons, Seigneur, les préparatifs de Thanksgiving. We commit to you the preparations for Thanksgiving. Et nous te recommandons, Seigneur, tous tes enfants de partout. And we commit to you all our children, all your children. Qui ont dans leur cœur le désir de pouvoir y participer. Who have in their heart to take part in the Thanksgiving. Afin que tu leur accordes la grâce d'obtenir des jours off. That you may give them grace to be able to have days off. De manière à être capable de pouvoir y participer. So they are able to come. Nous te recommandons, Seigneur, notre marche. We also want to commit our walk. Te demandant, Seigneur, de nous assister. Asking that you may help us. Afin que nous puissions, Seigneur, être prêts quand tu reviendras pour prendre ton épouse. So that we may be ready when you come back to take your bride. Nous te recommandons toutes choses. We commit to you all things. Et nous te recommandons, Seigneur, également ceux qui sont en train de nous suivre par le moyen de l'Internet. We commit to you also those who are watching through the Internet. Tu connais les besoins de tout un chacun. You know the needs of each one of us. Accorde à chacun selon son besoin, selon sa foi. According to each one, according to their needs and their faith. Pour la gloire de ton nom et pour notre joie. For the glory of your name and for our joy. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. It is in the name of Lord Jesus Christ we just prayed. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. You may be seated. Nous allons chanter un cantique. We'll sing a song. Avant d'inviter le prédicateur du jour. Before we invite the preacher for the day. Sing number 6.
weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Just a closer. Just a closer walk with thee. Nous saluons l'Église dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement. Avant que je n'oublie, les frères, vous savez qu'il y en a plusieurs qui viendront pour la Thanksgiving. Nous devons organiser pour aller les chercher. Beaucoup d'entre eux vont through Washington. Il y en a plusieurs qui vont arriver par Washington, donc on doit s'organiser pour le transport. Afin d'aider ceux qui ne peuvent pas. So we need to be organized on that, hein? Donc on doit s'organiser sur cela. Also, I miss, unfortunately, it looks like Brother Matthew and Brother Gerard, they are already in Kolwezi. Il semble que le frère Mathieu et le frère Gerard sont à Kolwezi. They've been in Lubumbashi. I didn't have a chance to speak to them. Ils ont été à Lubumbashi. J'ai pas eu l'occasion de leur parler. So, one brother sent me the picture that is there. Brother Serge Katom showed me. Il y a le frère Serge Katom qui m'a montré une photo. Ils étaient là ensemble. Nice trip for him.
Donc, ceci devrait être un très bon voyage pour lui. Prions que Dieu puisse les préserver des maladies tropicales dans notre pays. C'est sa première fois d'y aller. Que Dieu puisse le protéger. J'aimerais que nous nous tenions debout pour la lecture de la parole. In Luke chapter 21, dans Luc, le chapitre 21, verse 24, it says, and they will fall by the edge of the sword, and be led away captive into all the nations, and Jerusalem will be trampled by the Gentiles until the time of the Gentiles are fulfilled. And verse 28. Now, when these things begin to happen, look up and lift up your head, because your redemption draws near. Verse 29. Then he spoke to them a parable. Look at the fig tree and all the trees. When they are already budding, you see and know for yourselves that summer is now near. So you also, when you see these things happening, know that the kingdom of God is near. Assuredly, I say to you, this generation will by no means pass away till all things take place. Heaven and earth will pass away, but my word will never, will by no means pass away. Verse 34, but take heed to yourselves, lest your heart be weighed down with carousing, drunkenness, and the cares of this life, and that the dead day come on you unexpectedly, for it will come as a snare on all those who dwell on the face of the whole earth. Watch therefore and pray always, that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass, and to stand before the Son of Man. May the Lord add a blessing. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Most gracious God and Heavenly Father, que précieux Père Céleste, thank you for the breath of life that it has pleased you to give to each one of us. Merci pour le souffle de vie qu'il t'a plu de renouveler à chacun de nous. From the morning until this time, depuis le matin jusqu'à cette heure, we have been, every one of us, here in different occupations. Chacun a été dans diverses occupations. But your grace has been upon each one of us. Mais ta grâce a été sur chacun de and nous. You brought us here in your presence. Et tu nous as conduits ici en ta présence. Not only to meet with one and with one another. Non seulement pour nous rencontrer les uns avec les autres. But just to be in your presence. Mais c'est pour être dans ta présence, you, te louer, to exalt you, t'exalter, and to hear the word of God. Écouter la parole de Dieu. Because man shall not live by the word. By the bread only, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, but by every word that proceeds out of the mouth of the Lord. Mais toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Remember each and every one of us. Souviens-toi de chacun de nous ici. All the requests that has been brought to you. De toutes les requêtes qui t'ont été apportées. And our dear sister was really due now. It can happen anytime. Et notre sœur qui a terme, et cela peut arriver n'importe quand. Notre sœur Christiane, puisse la couvrir. With Eve in the garden of Eden. Tel que tu le fis avec Ève dans le jardin, Mary, comme tu le fis avec Marie, the same God to our sister. Sois le même Dieu pour notre chère sœur. Et nous pensons à toutes nos sœurs qui sont dans la même situation. Merci pour toutes choses. Souviens-toi du peuple d'Israël, ainsi que ton serviteur fidèle, le frère Frank, all the brothers who are working in the kingdom, et tous les frères qui œuvrent dans le royaume. Reach out to all our need. Réponds à tous nos besoins. And this time, give us et en grace ce temps, to the preaching, donne la grâce pour la prédication, and the grace to the understanding, ainsi que pour l'écoute. We commit everything in your hand. Nous commettons toutes choses entre tes mains. Of the Lord Jesus, as we pray, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec reconnaissance. Amen. You may take your seat. Près des places. And I would like to read also Romans chapter 11. Également lire dans Romains le chapitre 11. Romans chapter 11. Romans
Romans chapter 11, the Bible reads. Chapter 11, I think it must be verse. let's start from verse maybe 24. For if we were cut out of the olive tree, which is wild by nature, and were grafted contrary to nature into the a cultivated olive tree, how much more will these who are natural branches be grafted into their own olive tree? For I don't desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own opinion, that blindness in part has happened to Israel until the fulfillment, the fullness of the Gentiles has come in. And so Israel will be saved as it is written. The deliverer will come out of Zion, and it will turn away ungodliness from Jacob, for this is my covenant with them, when I take away their sins. Concerning the gospel, they are enemies of you for your sake, but concerning the election, they are beloved for the sake of their fathers. So, and I would like to read also in Hosea chapter 6. J'aimerais également lire dans Hosea chapitre 6. Hosea chapter 6, the Bible read. Come and let us return to the Lord, for he is torn, but he will heal us. He is stricken, but he will bind us up. After 2 days, he will revive us. On the third day, he will raise us up, that we may live in his sight. May the Lord add a blessing to the ring of his things. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. On m'a interrogé, donc c'est mieux de préciser pour éviter des incompréhensions. Concernant ces 2 jours, les 2 jours ici sont différents des 2 jours de grâce des nations. Et quand nous allons lire les Écritures comme je l'ai promis, chacun aura une bonne compréhension. Diagram of Brother Frank. So you know, sometimes when you're explaining, it's when the people they ask a question, then we can say. Des fois, quand nous expliquons, c'est quand on pose des questions qu'on peut clarifier pour compréhension. If you pay attention, si vous faites attention, you can see that Brother Frank put those things together. Vous verrez que le frère Frank a mis ces choses ensemble. You can see the one with the 7 church ages. Vous voyez, il y a les 7 âges de l'Église au-dessus. And the one here. Et il y a le bas. Do you understand? Vous voyez. Now. You see what it says? It says. Vous voyez ce qui est écrit? Course of the time. Donc c'est le temps biblique, la répartition this is des temps biblique. From the time of Adam, ceci c'est à partir du temps d'Adam jusqu'à la fin. And with Israel, et with the church, avec Israël, the course of l'Église, the time. Et c'est la répartition God du temps and du plan de Dieu. Those things, et nous avons expliqué this ces choses. The time that God deal with Israel and so forth. Que ceci était le temps où Dieu a traité avec Israël. Remember, Israel is God's chosen people. Souvenez-vous, Israël est le peuple choisi par Dieu. God will never reject Israel. Et Dieu ne va jamais rejeter Israël, pas and du the tout. Church, even the bride doesn't take the place of Israel. Et même l'épouse ne peut prendre la place and d'Israël. We need to understand that
God has got a special plan with Israel. Nous devons comprendre que Dieu a un plan spécial avec Israël. And a special plan with the church, with et the nations. Un plan particulier également avec It's les nations. Two different things. C'est deux choses différentes. So, donc, why we brought about those 2 days here? Pourquoi est-ce que nous avons mentionné les 2 jours I ici? Will show you Je vais vous montrer why. Pourquoi? Those 2 days, les 2 jours, in the course of times, dans la répartition du is temps, the days that God has granted to the nation as the day of grace. Ce sont les jours que Dieu a accordés aux nations en tant que jour de grâce. Although the 2 days of the Jews, I will show you, bien que les 2 jours des Juifs in this period of time, tombent également dans cette période de temps, but they are not those 2 days. Mais ils ne sont pas les 2 jours Why? De grâce. Pourquoi? What is the difference? Quelle est la différence? Those 2 days, les 2 jours, they are the days of grace. Sont les 2 jours de la grâce. It means the ça veut Jews dire didn't recognize, accept Jesus Christ, les Juifs n'ont pas reconnu Jésus-Christ, comme nous allons le lire. And il s'est tourné vers nous. He break, this period of time for Donc, us. Il a ouvert cette période de It's grâce a pour time nous. Of grace. C'est le temps de la grâce. It's not that, it's not yet the time of grace for the Jews. Ce n'est no. pas encore le temps de la grâce pour les Juifs. The time for the Jews will le take temps place des after Juifs he finish with aura us, lieu après qu'il ait fini avec nous. Alors il va retourner vers les Juifs. This is why the Bible says C'est about pourquoi la Bible after dit two days. Après 2 jours. Those after 2 days, ces 2 jours it's connected with Israel. Sont connectés so avec when Israël. We read Isaiah chapter Hosea chapter 6, quand nous lisons dans Hosea chapitre 6, versets 1 et 2, il est Now, question d'Israël. For you to get a good understanding on pour this. Avoir une bonne compréhension sur so, cela, let's read a few scriptures. Lisons quelques écritures. Remember we read in Romans chapter 11, souvenez-vous, nous avons lu dans Romains chapitre 11 qu'une partie blindness. D'Israël est tombé dans l'endurcissement. Et Paul dit également cela dans Actes chapitre 13. La Bible dit ceci. J'aimerais commencer au verset 46. Then Paul and Barnabas grew bold and said, "It was necessary that the word of God should be spoken to you first. But since you reject it and judge yourself unworthy of everlasting life, behold, we turn to the Gentiles. For so the Lord has commanded me." Now, when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord, as many as has been appointed to eternal life, they believe. Amen. Remember Paul speaking about Souvenez-vous, his own commission. Paul parlant de sa In propre Acts chapter 26, commission dans Actes le chapitre 26. I think Acts chapter 26, Je he says pense this. Dans Actes chapitre 26, il dit ceci. Let's go to verse 18. Le verset 18. No, maybe 16. Le verset 16. But rise and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and a witness both to the things which you have seen and of the things which I will yet reveal to you. I will deliver you from the Jewish people, as well as from the Gentiles, to whom now I send you, to open their eyes in order to turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith. You see, God sent him to us. Dieu
l'ont envoyé vers les nations, à nous, pour être la lumière des nations, et pour nous tourner des ténèbres à la lumière, comme nous le savons tous. Quand la Bible parle de nos pères, il est question des Juifs, à l'égard de leurs pères, comme nous avons montré dans ce croquis. Nos pères ignoraient Dieu. Quand la Bible parle des pères, il est question de cette période de temps pour les Juifs, car Dieu les a appelés et il s'est révélé à eux. Israël est le peuple choisi par Dieu. Aucune autre nation ne peut prétendre à cela. Et nous également des nations, nous sommes le peuple choisi par Dieu. Vous avez Israël, qui est le peuple choisi par Dieu, sous l'ancienne alliance, et nous avons l'épouse qui est également élue de Dieu. Dieu traite avec Israël en tant que nation, mais Dieu traite avec nous individuellement. C'est pourquoi Dieu a appelé parmi toutes les nations un peuple qui porte à son nom. C'est pourquoi nous sommes chrétiens. Quand les gens se donnent les noms des catholiques et tout cela, la Bible dit un peuple qui porte son nom. Nous portons le nom de chrétien, ça veut dire comme Christ. Nous sommes le peuple choisi par Dieu. We read Acts chapter 13. Nous avions lu dans Acte 13. Now look what it says in there are many many scriptures. Il y a plusieurs écritures. We read that day, I think, Isaiah chapter 14. La fois passée, nous avons également lu dans Ésaïe 40. There is a few scriptures to give. Lisons quelques écritures pour une meilleure compréhension. And you see, it was Brother Frank who explained those things very, very well. Et vous voyez, le frère Frank a expliqué ces choses très bien. Even when Brother Branham heard the revelation, he spoke about many things. Même quand le frère Branham reçut la révélation, il parla de beaucoup de choses. Et certaines choses étaient difficiles à comprendre, parce qu'il a parlé en tant que prophète. You know, the word of the prophet, most of the time, vous savez, la plupart du temps, la parole de prophète, même dans l'Ancien Testament, est difficile à comprendre. Mais le frère Frank, ayant un ministère d'enseignement, vous voyez comment est-ce qu'il a posé les choses en sorte à ce que nous puissions localiser toutes les promesses. Et juste en passant, il a parlé de ces choses il y a très longtemps. Je vais essayer de lire ces le dimanche où il explique les mêmes choses pour une meilleure compréhension. Ésaïe chapitre 14, il est dit ceci. For the Lord will have mercy on Jacob. And will still choose Israel and settle them in their own land. The strangers will be joined with them, and they will cling to the house of Jacob. The people will take them and bring them to their place, and the house of Israel will possess them for servant and maid in the land. And so we can read this until maybe verse 4. Vous pouvez lire jusqu'au verset 4. So now, what is the matter now? Alors, c'est quoi le problème maintenant? Retournons au chemin. Look on top there. Considérez le dessus. You see, it's written there. Vous voyez, il est écrit ici, je ne sais pas voir. Babylonian Empire. On parle de l'Empire babylonien. Medo-Persian Empire. Et l'Empire Medo-Perse. L'Empire des Grecs. And the Roman Empire. Et l'Empire romain. So you see how. Vous voyez comment le frère Frank essaye d'expliquer from the what as it says until the time of the Gentiles will be fulfilled. Comme il est écrit, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. So the time of the Gentiles started with the Roman with the Babylonian Empire. Le temps des nations a commencé avec l'Empire babylonien. And it's going to finish now. Et ça s'achèvera maintenant Empire, Roman Empire now. Sous l'Empire romain dans until lequel nous end. Sommes jusqu'à la fin. What is interesting, ce qui est intéressant, suivez attentivement, look here. Voyez ici, speaking about the Babylonian Empire, parlons de l'Empire babylonien, it's from the years 606
C'est à partir de l'an 536 BC jusqu'à l'an 536 avant Christ. And Medo-Persian, et l'Empire Médo-Perse from 536 to de 536 jusqu'à 330 avant Christ. And the Greek Empire, et le royaume des Grecs from 330 before Christ, de 330 avant Christ to 30 before Christ, jusqu'à l'an 30 avant Christ. Then, et the Roman Empire, l'Empire romain, start from the year 30 before Christ, commence à partir de l'an 30 avant until Christ, the end of the our civilization, jusqu'à la fin de notre ère, de notre civilisation. Vous voyez. So, donc, the kingdom of the nation started then. Le royaume des nations in other words, a commencé it didn't là. Start here with Christ, en d'autres no. mots, ça n'a pas commencé avec Christ. If you try to situate the time, si vous essayez de situer le temps, then, vous verrez qu'il a commencé là, before here, avant Christ. Then et it overlapped, il a here somewhere in the year 30 AD. Et dans l'an 30 après Christ. AD, exactly. That's what I mean. AD. This is when they try to situate the time of our Lord Jesus Christ. Et c'est là où on a essayé de situer le temps, le début when de l'ère de Jésus-Christ. Lorsqu'il est venu et qu'il est mouru à l'âge de 33 ans. So, donc, when the Bible speaks about Luke chapter 21, quand la Bible parle dans Luc 21 and Matthew chapter 24, et dans Matthieu 24, about when you see the desolation, disons quand vous verrez la désolation s'installer, this is not referring to Babylon. Ceci ne se réfère pas à Babylone. No, it's referring to mais, the Roman Empire. Ça se réfère à l'Empire romain. With the General Titus. Avec le général Titus. Although with Babylon. Bien qu'avec Babylone, as we read in 2 Chronicles chapter 36, comme nous l'avions lu dans 2 Chroniques 36, the temple was destroyed. Le temple fut détruit. This is the first time the temple was destroyed. Ce fut la première fois que le temple fut détruit. And the temple was rebuilt et again. Ce temple fut rebâti by Ezra and so forth. Par Ezra et les autres. Do you understand? Vous suivez? Then that temple was rebuilt again. Et ce temple fut. And in the time of Herod, I think. Then, reconstruit. Then, et the temple was destroyed. Il fut détruit encore. It was destroyed with the empire with the Titus. Par Titus. This is the second temple that was destroyed. C'était le deuxième temple qui fut détruit. Now the Jews they are waiting to go and they rebuild that temple. Maintenant les Juifs attendent à rebâtir ce temple. So when the Bible speaks about the desolation, quand la Bible parle de la désolation of the city of Jerusalem, de la ville de Jérusalem, that we are reading in Matthew chapter 24, que nous lisons dans Matthieu 24, and in Luke chapter 21, et dans Luc 21, it's not about the time of Nebuchadnezzar. No. Cela n'est pas par rapport au temps de Nebuchadnezzar. And according to the history, et d'après l'histoire, so what happened? Qu'est-ce qui est arrivé? In the time of Titus, du temps de Titus, Brother Branham just said this. Le frère Branham a dit cela. They don't know how. It's in the ils ne savent pas comment. C'est dans le livre d'histoire. When vous pouvez Titus, lire cela. They surrounded the city quand Titus a encerclé la ville de Jérusalem, for a while, pour they un don't temps, know why. Ils ne savent pas pourquoi. They just back off. Ils ont décidé de replier, ce qui est vrai. They go back. Ils ont why? Commencé à rentrer. Pourquoi? On ne sait pas. But the disciples, mais les disciples, they understood, ils ont compris this is what que the Lord has told them. C'est ce que le Seigneur leur avait annoncé. And they start running out. Et ils ont commencé à sortir. This was with Titus and not with Nebuchadnezzar. Ceci est arrivé sous Titus et non pas sous Nebuchadnezzar. With Nebuchadnezzar, bien qu'avec Nebuchadnezzar, le temple également fut détruit. Jerusalem was destroyed. Jérusalem fut détruit. So the same et in the time de même, of Titus. Du temps de Titus. But with mais Titus, avec Titus, this is the time where they were scattered c'est le all temps over in où the world. Ils furent dispersés partout dans le monde. And most of them in Russia. Et la majorité d'entre eux en Russie. If
When we reading those scriptures, et quand nous lisons ces écritures, the Bible speaking about the king of the north. Nous verrons que la Bible parle du roi du nord, c'est la Russie. So you see, vous voyez, in the time of Babylon, et du temps de Babylone, they were scattered also, ils furent également dispersés, mais ils furent amenés captifs en Babylone et en Syrie. With Titus, mais ici, avec Titus, ils ont été dispersés partout dans le monde. Maintenant, suivez attentivement. From that time, de ce temps-là, until 1948, jusqu'à l'an 1948, c'était beaucoup de douleur pour eux. Ils n'avaient pas de ville. Ils étaient éparpillés partout. This is where refer, et c'est à cela que se réfère Osée chapitre 6, disant ceci. Osée chapitre 6, de Bible read. Osée chapitre 6. Come and let us return to the Lord. For he has torn, but he will heal us. He has stricken, but he will bind us up. After 2 days. So, donc, those are the 2 days. Ces 2 jours. Let's go back again to the things. Retournons encore au chemin. So you see it, Israel speaking about when they've been scattered. C'est Israël qui parle à partir du moment où ils ont été dispersés partout dans le monde. À partir de l'an 70 jusqu'à l'an 1948, ce qui est pratiquement 2000 ans. C'est pourquoi nous avions dit que ici, vous voyez, on parle de 2 jours. Ici, il est dit 1 jour et là 2 jours. One day, parce qu'un jour aux yeux de Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour devant Dieu et un jour comme 1000 ans aux yeux du Seigneur. Avec nous également, un jour et 2 jours. Donc avec nous également, ces 2 jours, c'est à partir de la venue de Christ jusqu'au temps de l'enlèvement. Mais voyez, nous sommes déjà dans l'an 2023. Mais aux yeux de Dieu, c'est 2 jours. On ne sait pas quand est-ce que cela va prendre fin. Ça peut prendre fin n'importe quand. Et après, cela vient le 3e jour. Le 3e jour, c'est le jour du millénium. Je me souviens il y a très longtemps, avant que nous recevions ces clarifications de la part de Frère Franck, les frères qui ont cru au commencement, ils étaient troublés. Ils pensaient qu'après l'enlèvement, le millénium commence immédiatement. Même aujourd'hui, il y a des faux enseignements où les gens disent après l'enlèvement, il n'y a plus la grâce. Non, il y a il n'y aura plus de sang sur le trône parce que c'est fini. Et c'est pourquoi nous sommes reconnaissants de ce que le frère Franck a expliqué. Écoutez attentivement. Après l'enlèvement, il y a un laps de temps de 7 ans. And this is when, et cela, here the time of grace is finished with us. Ici, le temps de grâce prend fin avec nous. But the blood of Jesus Christ is still there. Mais le sang de Christ because demeure. Because the Jews they are waiting for him to come back to them. Car les Juifs attendent à ce qu'il puisse revenir this à eux. This is why we spoke last time. C'est pourquoi la fois passée nous avons parlé. And the Jews and us. Disant que les Juifs de même que nous. Central point. Et nous avons parlé de ce point central, notre Seigneur Jésus-Christ. There is no salvation. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Even all those people, même the tous ces gens, les pères qui moururent, souvenez-vous, ils sont morts ayant foi dans un Sauveur qui because devait venir. Job said, car Job dit, I know je sais that my Redeemer que mon Rédempteur est vivant I will see. Et je le verrai.
You see all those heroes of faith. Tous ces héros de la foi, Samuel, Moïse et tous, they believe ils ont cru ce que le Seigneur a dit. Ils ont cru dans la promesse que Dieu avait donnée. So Jesus Christ is donc the center. Jésus-Christ est le centre. This is why the Jews, c'est they pourquoi are returning there. Les Juifs retournent because the Lord car will go back to them again. Le Seigneur rentrera également vers the eux encore. La première fois, it was because of us. C'était à cause de some, nous. They were blinded. Certains furent aveuglés. The Lord came to us. Et le Seigneur est venu vers nous. And now, when he finished et with maintenant, us, après avoir fini avec nous, this period of time, cette période de temps, remember, souvenez-vous, il va se révéler to the 144,000, aux 144 000 and also, et également for the foolish virgin, pour les vierges folles, they are going to realize, elles vont également réaliser qu'elles ont manqué l'enlèvement et elles seront tuées. In other words, so en d'autres far, mots, jusque-là, if somebody dies today, si quelqu'un meurt aujourd'hui, he can't be a foolish virgin. Il ne peut être une vierge folle. The foolish virgin, they will be manifested les vierges folles after seront manifestées après l'enlèvement, when they will miss the rapture. Après qu'ils puissent manquer but l'enlèvement. For them, mais they need the blood of Jesus ils auront Christ. Besoin, elles auront so besoin du sang de Christ. The rapture, après l'enlèvement, it will be finished ce sera for the Gentiles, fini pour les nations, but mais the blood of Jesus, le the blood sang of de Jésus-Christ sera là. Still, il sera toujours là. There is still car the 144,000, il y a les 144 000 Jews, et il y a la nation des Juifs et il y a les vierges folles. And all those 144,000. Les 144 000. And the foolish, they will les vierges folles. Come back to life before elles reviendront à la vie avant le millénium. And the millennium. Et le millénium. The millennium is the reign of Jesus Christ. Et le règne de Christ. This is the reign of Israel. C'est le règne d'Israël. As they were expecting. Tel qu'ils attendaient cela, ce sera dans le millénium. Mais au millénium, we are going to be there, nous serons là as the queen and the king. En tant que la reine we et will son be there. Roi. Nous serons là. We will be there nous serons là in the millennium. Dans le millénium. We are the queen. Nous sommes la reine. And remember, et souvenez-vous, it will be the reign of the Jews, ce sera le règne des Juifs, Israel. D'Israël. But now, mais maintenant, The prophet explained this, le prophète a expliqué ceci and the brother Frank make it et very clear, le frère Frank a rendu cela plus clair. Now, look here. Maintenant, voyez ceci. Ceci est le début de la moisson. And the bride will be the first one. Et l'épouse the crop of the harvest sera le premier en tant que prémisse taken. De la moisson à être and enlevée. Only the bride will go to heaven. Et l'épouse seule ira au ciel. Now remember, souvenez-vous, the bride include everyone. L'épouse inclut tous. But Paul and Paul. Peter. Pierre, they are Jewish. Ils sont juifs. They are part of the bride. Ils font partie de l'épouse. You understand? Vous suivez? So, and only et the bride will rien go to que heaven. L'épouse sera enlevée au ciel. When the rapture takes place, quand l'enlèvement a lieu, we are not going into nous paradise. N'allons pas au paradis. Those who die now, ceux qui meurent maintenant, they are going to paradise ils vont au paradis as a waiting place. Comme un lieu d'attente. Exactly. Waiting for what? Attendant quoi? Waiting for the Lord to come attendons and take us home, take à ce us que le Seigneur heaven. Revienne et nous amène au ciel. We are not going to be staying in heaven forever. Nous no. ne serons pas au ciel pour toujours. We non. are going there just for a while. Nous y allons pour un temps. While down here, pendant que the Lord will come. Le Seigneur reviendra. Il se révélera d'abord aux 144 000 et il reviendra encore pour toute la nation d'Israël. Then there will be the tribulation period. Et il y aura le temps de tribulation. Then here, et ici, before the millennium, avant le millénium, the 144,000, les 144,000, and the foolish virgin, they will come back to life. Et les vierges folles reviendront à la vie. There will be also in this
period of time, et of millennium. Elles vont également participer à cette période de temps, le millénium. There will be found people. Au millénium, il y aura des gens qui ne sont pas morts, des pécheurs qui n'ont jamais été sauvés. Mais ce sera fini. Il n'y aura plus de salut en ce temps-là. That's what the Bible says. C'est ce que dit la Bible. If somebody dies at 100 years, si quelqu'un meurt à 100 like ans, il est jeune. But it's not eternity. Mais ce n'est pas l'éternité. In the eternity, there is no, dans no l'éternité, il n'y a plus de mort. In the here, et ici, they speak about the light and so forth. On parle de eternity, there is no day, dans la lumière no et tout cela. Dans l'éternité, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de jour. C'est après before le millénium. There will be the war. Et avant, il y aura la guerre d'Armageddon. And here, et the, ici, the war of Gog and Magog. Il y aura la guerre de Gog et Magog. Then after that, et après cela, judgment, le jugement du trône blanc. Then the eternity. Et commence l'éternité. And we in the eternity will be living et nous, dans the l'éternité, new nous vivrons dans la nouvelle Jérusalem. But this period of time mais cette période de temps, nous serons dans le ciel jusqu'à ce que le Seigneur finisse avec toutes choses. As we spoke about the Joseph comme nous and avons so parlé forth. Avec Joseph, so, donc, now, maintenant, coming back to this period of time, revenant à cette période de temps, this is the biblical course of the time, voici from the beginning la répartition des temps end. Bibliques du début jusqu'à and la fin. This is where we have got our two et days. C'est ici où nous avons nos those deux two days jours are the days of grace for us. Qui sont les temps de grâce impartis this aux this nations. These seven churches are included. C'est la période de temps au cours de laquelle les sept âges de l'Église sont inclus. Voyez ce qui est écrit. For the church ages, you pour see, les âges de l'Église. From the year 170 and de so forth, l'an until 170 the end. Jusqu'à la fin. But this is not the beginning mais of the kingdom of the Gentiles. Ceci no. n'est pas le début des temps des nations. This, as you can see, comme vous le voyez, here, ceci commence but ici, the kingdom of the Gentiles mais le temps des nations a commencé with the Babylon Empire. Avec l'Empire look babylonien. Voyez, it says that le, 606 c'est to 563 606 jusqu'à 536 avant Christ. Now, those 2 days of the Jews les 2 jours falls des Juifs inside here. Il tombe également remember, au cours de cette période de temps. 70, souvenez-vous, c'est à partir de l'an 70 jusqu'à l'an 1948. See, falls, vous voyez, c'est, ça but tombe it's not dans the cette période de temps. So, mais ce ne sont pas les deux jours de grâce. Deux fois, well, ça peut être un peu troublant pour que it les gens puissent comprendre cela. C'était bien pour le frère de poser la question. Falls, et ça tombe dans ces jours-là, mais ce ne sont pas les jours when de grâce. Days, et quand nous parlons de ces deux jours, pour que nous puissions comprendre, et que nous, but également, nous avons 2 jours, are the days of grace. Mais nos jours sont les jours de grâce. But the 2 days of the Jews mais les deux jours des Juifs ne sont pas les 2 jours de grâce. It's when he finishes with us, c'est après then qu'il est terminé avec will nous, start their days alors of grace. Commencera le temps de grâce imparti exactly aux Juifs. Their time of grace. So do you understand? Donc vous suivez. Exactement comme je l'ai dit, le frère Frank parle de ces choses. J'espère que j'aurai le temps de lire certaines de ces citations. Je ne sais pas si vous connaissez, il en a parlé également ici. Et je pense que quelque part, il a aussi ce spreadsheet. Vous voyez, il a encore ce. Et il y a également ce schéma with, empire, the Babylonian empire to avec Rome. L'Empire babylonien there, jusqu'à Rome. There, et about, quelque part ici, about those 2 days. Il a également parlé de ces 2 jours. And here it's already old, et ici, circular letter. C'est une vieille lettre the circulaire one in January 1974. I think de janvier 1974. Some of us were not je pense que certains yet. Parmi nous n'étaient pas so, encore nés. He spoke about this, this il a également parlé ago. De ceci il y a and très longtemps. Il a déjà expliqué ici les 70 semaines de you Daniel. Can't speak about Israel without vous ne pouvez about, parler d'Israël about the church. Sans parler de l'Église. You can't speak about the church without speaking about on ne peut parler de l'Église sans parler d'Israël. Because there is a parallel. Car il y a un parallèle. The parallel is this. Le parallèle est celui-ci. Israel is God's chosen people. Israël est le peuple choisi God par Dieu, le peuple par alliance.
And we, et nous, we are also God nous sommes également people, le peuple élu the de Dieu, of the new covenant. Peuple de la Nouvelle Alliance. But the difference is, mais la différence est with que, Israel, avec Israel, deal, God deal with Israel as a nation, Dieu traite avec eux en tant que nation, but with the church, mais avec l'Église, il ne traite pas different nations, avec toutes les nations. C'est de toutes les nations, il traite avec chacun individuellement. And so, et donc, but every time, chaque fois, when brother Frank is speaking about the time, quand le frère Frank parle du temps, Israel and il essaye this and so forth. D'y inclure Israël et ceci and I will et cela. Try also to show you, remember that je vais essayer également de montrer, souvenez-vous, on parle également about, parlant du réveil du peuple d'Israël. Ils all étaient over the world. Dispersés partout dans le monde. I will bring you back, et le Seigneur dit, je vous ramènerai and I will come back to you. Et je reviendrai à vous. Let's read again. I think we read somewhere there. It must be in Acts chapter 15. Lisons dans Actes chapitre 15. Look what it says. Voyez ce qui est dit. Acts chapter 15. Actes chapitre 15. It says this. Il est dit ceci. Verse 13. Le verset 13. And after they had become silent, James answered, saying, "Men and brethren, listen to me. Simon has declared how God at first visited the Gentiles to take out of them a people for his name. And with this, the word of the prophet agree, just as it is written, after this, do you understand? After God finish with us, après que Dieu ait fini avec nous, until the time of the Gentiles, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli, I will return and I will rebuild the tabernacle of David, which has fallen down. I will rebuild its ruin and I will set it up again. Do you understand? Vous suivez? This is the period of time of grace for the Jews. Ceci est la période de grâce pour when les Juifs. When the Lord finish with us, après que le Seigneur ait fini avec then nous, then he return to them. Alors il va retourner then vers this eux. This is the time of grace. Alors c'est ça le temps de grâce. Remember, souvenez-vous, this is part of the third day. Ceci fait partie du troisième jour. But there is a break. Mais il y a this une période de temps, un laps that's de temps. Said, after two days. C'est ce qui est écrit après deux jours. On the third day, et au troisième jour, this is the millennium day, c'est le millénium qui sera of Israel. Le règne d'Israël. Lord, tell us when Seigneur, the reign of Israel is going to come. Dis-nous quand viendra le règne d'Israël. This is the millennium. Et ce sera le temps du millénium. This is why he is called the son of David. Il est appelé le fils de David. As the king. En tant que roi. When that lady, the Canaanite woman, lorsque cette femme cananéenne, when she came to the Lord Jesus, elle est venue vers le Seigneur Jésus-Christ, disant fils de David. The Lord didn't answer. Le Seigneur n'a pas répondu. Because son of David is not parce que for you and fils me. De David, ce n'est pas pour vous son et moi. Of David for the Jews. Fils de David, c'est pour les Juifs. You understand? Vous suivez? And everything is got his own et time. Chaque chose a son son titre. I would like to read another before we can j'aimerais stop. Lire une autre écriture avant que nous puissions arrêter. Jérémie chapitre 23. Allons dans Jérémie 23. Jérémie chapitre 23. And especially Jeremiah spoke about a lot. Jérémie a également beaucoup parlé. I would like to read Jeremiah chapter 23. It says Jérémie chapitre 23. I would like to start from verse 5. Le verset 5. Behold, the days are coming, says the Lord, that I will rise to David a branch of righteousness. A king shall reign and prosper and execute judgment and righteousness in the earth. In his days, Judah will be saved, and Israel will dwell safely. Now, this is the name by which he will be called, the Lord our righteousness. Therefore, behold, the days are coming, says the Lord. They shall no longer say, as the Lord lives, who brought up the children of Israel from the land of Egypt
But as the Lord lives, who brought up and led the descendants of the house of Israel from the north country and from all the countries when I have driven them, and they shall dwell in their own land. Amen. So, donc, you see, vous voyez, it's about when Israel was scattered. Les questions de quand Israël fut dispersé. And Israel was scattered there. Et Israël fut dispersé again, là. Said, et encore, comme je l'ai dit, people, c'est un peu troublant pour les gens. Car cette période tombe également dans cette période de temps. Car quand vous regardez time, la répartition de temps empires, des empires, see, vous verrez. This is the reign of Roman Empire. Voici le règne de l'Empire until romain the end. Jusqu'à la fin. Until the end. Jusqu'à la fin. And, with the Pope, et avec le pape intervene, qui va également intervenir, the there, vous voyez avec la guerre, again about peace. On commence Let à parler de solution. Paix, qu'on puisse trouver une solution de But paix. The prophet is saying, et le prophète dit, when they will take that final resolution quand ils vont peace, prendre cette résolution de paix finale, il va essayer de les convaincre. Vous êtes la semence d'Abraham Isaac, au travers Isaac. The Arabs, les Arabes the seed of Abraham, sont la semence d'Abraham Ismael, au travers Ismaël. And the Christian, et les chrétiens, they think that them, they parce qu'ils pensent également qu'ils représentent les chrétiens. We are the seed of Abraham, nous sommes semence d'Abraham au travers le Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions trouver une entente. The purpose une entente. For the Jews, for that, et le but pour les Juifs, looking for one thing, ils recherchent une chose. This is why they are returning there. C'est pourquoi ils retournent. Some they say, no, certains going to disent, see the Messiah. Nous attendons à voir le Messie. It's just striking. C'est frappant. Normally, when there is a war, normalement, people, quand il y a une guerre, a war, we'll all fly tous, away. Nous allons fuir. But there is war, mais il y a une guerre people là-bas. Are dying, les gens meurent, mais ils retournent dans leur pays. It's just the fulfillment c'est of the scriptures. L'accomplissement des Écritures. This is what I want to understand. C'est ce que j'aimerais que what vous puissiez God comprendre. Says, ce que Dieu I a will dit, bring them. This je is les ramènerai. C'est ainsi que Dieu les ramène. God has got his own ways of Dieu bringing. A ses voies. He's bringing them back there. Il les ramène. And they are going there. Et the Jews, ils y rentrent. Now, pour les Juifs, ils savent qu'il y a une seule chose à faire. Reconstruire le temple. The third temple. Le troisième temple. Then must be rebuilt, il doit être because rebâti. When the Lord is coming back there, car lorsque le Seigneur revient, il entrera dans le temple. As the Bible says, comme la Bible in le Malachi dit, chapter 3, dans Malachi chapitre 3. The Bible says this, in Malachi chapter 3. La Bible dit ceci. They also, we need... The teacher, Brother Frank, to explain those things. Et là également, in nous one verse, avons eu besoin d'un enseignant. Two events that are going to take dans place un verset, far away from one another. Deux événements séparés de plusieurs années, l'un de l'autre. You see, vous voyez ici. All, I send my messenger. Yeah, just keep. Oh no. Oh, sorry. Okay. Alright. Yes. Keep that. I send my messenger. He will prepare the way before me. And the Lord whom you seek will suddenly come into his temple. Even the messenger of the covenant in whom you denied, behold, he is coming, says the Lord of hosts. So, when you read these scriptures, quand vous lisez you can ask anyone. Vous pouvez demander à quiconque, verse, parce que c'est dans un seul verset. But now look. Mais voyez ceci. Behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me. Let's go to the spreadsheet. Allons sur les chemins. You see this? Vous voyez ceci that we read, que nous avons lu. This took place here. A eu lieu ici. When the Lord came. Lorsque le Seigneur vint. John the Baptist. Jean-Baptiste. He came to introduce him. Il est venu présenter, introduire le Seigneur. To prepare the way of the Lord. C'est lui qui est venu préparer le chemin to du prepare, Seigneur. To turn their fathers. Ramener les cœurs des pères à la foi en Jésus-Christ. J'aimerais que vous voyez ceci, où ceci s'est accompli. Malachi chapitre 1. Mais la deuxième partie n'est même pas ici. C'est après tout cela. Lorsque le Seigneur revient, car le temple doit être rebâti.
Imaginez 2000 ans séparés l'un de l'autre, mais dans un seul verset. This is why we need those people. C'est pourquoi nous avons besoin de ces gens, des dons de Dieu, pour comprendre ces choses. Vous ne pouvez comprendre ces choses vous-même. So you see how it is. Donc you vous voyez sur ce chemin. This is why c'est pourquoi le frère Franck a mis ceci ensemble afin que nous puissions avoir une bonne compréhension pour voir comment est-ce que cela... So the 2 days that, donc les deux jours speaks about, dont Osée a parlé, ce ne sont pas no. les deux jours de grâce. But I want to show mais that j'aimerais it falls que vous puissiez voir time, que cela yes. tombe dans cette période de temps. But they are not the same. Mais ce ne sont pas les As mêmes you choses. Can see, take just the date, comme vous voyez, and you can see par rapport aux dates, vous allez voir to somewhere here, que c'est à partir de là jusqu'à quelque home, part ici. They still returning, ils sont déjà dans leur pays, ils continuent à revenir. When jusqu'à ce que nous puissions finir. So their third day hasn't leur troisième yet. Jour n'a pas no. encore commencé. Non. Our 2 days must finish. Nos deux jours doivent d'abord in finir order for their third day to start. Afin que leur troisième jour puisse commencer. So when you finish, donc, quand il aura fini, he goes back there, il va retourner vers then eux. The millennium. Alors, le millénium. Then the millennium. Le millénium. But there is a gap mais il y a un laps between de temps the rapture, entre l'enlèvement and the starting point of et the third day. Le début du troisième jour. The third day speaks about the reign le troisième of jour millennium. Parle du règne du millénium. And we will be there also et nous y serons également because the Lord will come with car us down. Le Seigneur descendra God avec nous. Que Dieu vous bénisse. Je sais que ces choses sont un peu troublantes de foi. C'est difficile à comprendre. Mais je vais essayer de vous donner des références so can read. Afin like que vous puissiez lire cela one. Comme it ceci. Malheureusement, je n'ai pas la date. J'avais cela depuis très longtemps, comme vous voyez cela. Also, et il explique également, je vais essayer de lire ça et là, certaines citations afin que les gens puissent comprendre. Le frère Frank explique très bien. God has given grace. Dieu lui a donné la grâce. There is another circular letter. Il y a une autre lettre circulaire. This one it was 1994. Celle-ci est de 42. L'an 99. When you read all those things, quand vous lisez ces choses, vous allez avoir une bonne compréhension des Écritures. Il explique beaucoup de choses. Et j'essaie d'expliquer afin que chacun ait une bonne compréhension que cela tombe dans la période de grâce, mais ce n'est pas la même chose. Nous attendons également deux jours, et après les deux jours, il y a le troisième jour, qui est le millénium. Mais avant le début du troisième jour, il y a un laps de temps, comme nous avons vu cela. The last week la dernière before, semaine avant this is only 7 years of et c'est 7 années three and a half, three and a half. Divisées en 3 ans et demi et là également il y a certaines they confusions où les gens disent que non c'est 3 ans et demi so comme le frère Branham l'a dit but when you see the plan, mais quand vous voyez le plan clear, c'est clair no il n'y a and pas de doute you see, et vous voyez, Frank le frère Frank, il a quelque chose que Dieu lui a donné. Il a vraiment maîtrisé les Écritures. Et vous allez voir, il accorde cela avec les Écritures. Même s'il ne dit pas beaucoup de choses, il y a les Écritures pour aider à comprendre. Et c'est assez. Et je vais essayer de trouver cela quelque part où il explique, parlant d'Israël, concernant Ézéchiel 37. Certains, je pense que nous le connaissons, je vais essayer d'expliquer cela, où il parle également de ses os, des gens qui sont revenus à la vie et tout cela. Donc, plus ou moins, voici de quoi il s'agit. J'espère que chacun peut avoir une bonne compréhension. Et s'il y a des questions, c'est bien de demander. Et nous parlons de ces choses spécialement à cause de ce qui se passe avec le peuple d'Israël. Ils attendent la venue du Messie. Mais souvenez-vous, avant que le Messie revienne, le temple doit être rebâti. Ah, this is the goal. Et c'est ça le but qu'ils the ont. Of the temple, la reconstruction the du temple, third temple. Le troisième temple. So for now, donc they're maintenant, just waiting. Ils attendent cela. Those who have to, until when the last one jusqu'à will ce return. Que le dernier but remember, retournera. Not all et souvenez-vous, will return there. Ce n'est pas no. tout Israël qui retournera. So the same, not et de même, every believer will ce n'est come pas out tout croyant no. qui sortira only également des dénominations. Rien que les so, élus. God bless you very much. Que Dieu vous bénisse richement. And,
Let us continue to pray for Israel. Continue à prier pour Israël. Let us continue to pray for one another. Et prions les uns pour les autres. We are not yet at the conclusion. Nous ne sommes pas encore à la conclusion. What these things means for you and for me. Nous allons parler de qu'est-ce que cela veut dire pour vous et moi. Brothers and sisters. Frères et sœurs, ce n'est plus le temps de se tirailler, de faire ceci ou cela. C'est le temps pour chacun d'être à son poste de travail et être prêt. C'est le temps d'être prêt. Et si nous comprenons cela, nous verrons combien nous sommes proches. Il est temps d'être prêt. Soyez hors de toute calomnie, de toute médisance, de tout mauvais sentiment. Voici le temps où nous devons manifester l'amour véritable, l'amour par l'Esprit de Dieu, où on doit se supporter les uns les autres, où on doit s'aimer les uns les autres. Et c'est le temps. Et quand vous voyez cela, nous voyons que c'est plus proche que nous le pensons. C'est ça l'objectif unique. Ce n'est pas pour augmenter la connaissance. Ce n'est pas la connaissance qui va nous enlever. Mais c'est l'amour parfait. Et cet amour parfait vient par la parole de Dieu. Mais mieux vaut que nous puissions connaître les temps dans lesquels nous vivons, connaître toutes les promesses que Dieu nous a données. God bless you very much. Que Dieu vous bénisse richement. He brought me up the Marie Clay. How you say again? Out of Marie Clay. My heart was distressed, near Jehovah's dread frown, and low in the pit where my sin dragged me down. I cried to the Lord from the deep, Marie Clay, who tenderly brought me to golden. He brought me up from the Marie Clay. He set my feet on the rock to stay. He puts a song in my soul today, a song of praise. Hallelujah. May God bless you. Nous allons lire ensemble et nous allons chanter ensemble le cantique numéro 30. Together we sing number 30. Pass me not, O gentle Savior. Hear my humble cry. Hear my
debout, nous allons maintenant prier. Let us stand and we will all pray. Selon la parole qui a été apportée ce soir. According to the word that was just brought forth this evening. Et quand nous aurons prié, and after we prayed, Frère Gellor va conclure ce service par un mot de prière. Frère Gellor will close this service with a word of prayer. Prions tous ensemble. Let us pray all together. Te disons merci, Seigneur. Lord, we say thank you. Pour la grâce que tu nous as accordée de passer ce moment dans ta maison. For the grace that you granted us to spend this time in your house. Merci, Seigneur, parce que tu étais présent. Thank you, Lord, because you were present. Merci, Seigneur, pour la parole que nous avons écoutée. Thank you for the word that we heard. En écoutant, Seigneur, ces paroles. Hearing this word. Nous te demandons que tu puisses nous aider à nous préparer.
We ask that you may help us to prepare ourselves. Tout montre que la fin est pour bientôt. Everything is showing that the end is for very soon. Mais seulement ceux qui seront prêts iront avec toi. But only those who will be ready that will go with you. C'est pourquoi nous implorons ta grâce, Seigneur. That's why we implore your grace. Que nous puissions être de ceux qui seront prêts. That we may be of those who are ready. Que nous ne puissions pas être des écouteurs oublieux. That we may not be forgetful listeners. Mais à chaque fois que nous écoutons cette parole, but every time that we listen to this word, que nous puissions sentir l'empressement dans nos cœurs. That we may feel the urgency in our hearts. Et que nous puissions décider de laisser les choses de la chair ainsi que les choses de ce monde s'en aller. And that we may decide to leave the things of this world and of the flesh. Afin de nous accrocher à ta parole. So that we may cling to your word. Merci Seigneur. Lord, thank you. Bénis ton serviteur qui nous a parlé. Bless your servant who spoke to us. Bénis tout un chacun de nous. Bless each one of us. Puisses-tu Seigneur nous fortifier. Lord, may you strengthen us. Parce que de plus la marche, de plus nous marchons, de plus nous fatiguons. The more we walk, the more we get tired. De plus nous voyons des choses arriver. The more we see things happening. De plus les choses de la vie nous compliquent. The more the things of life. Parfois, Seigneur, make it hard for us. Nous fatiguons. And sometimes we get tired. Mais toi, tu as dit. But you said. Ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. That those who put their trust in you renew their strength. Aide-nous, Jésus. Lord, just help us. Pour que nous puissions achever notre course avec succès. So that we may finish our race with success. Accompagne-nous, Seigneur, dans nos maisons. Lord, accompany us in our homes. Même dans nos activités que nous allons faire. Even in our activities. Si, Seigneur, c'est ta volonté que nous puissions encore nous retrouver dans ta maison. If it is your will that we may find ourselves again in your house. Nous te dirons merci. We will say thank you. Merci pour toutes choses. Thank you for everything. Quand nous avons prié avec foi. For we prayed with faith. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Notre service de ce soir est terminé. Our service for this evening has come to its end. Allez dans la paix du Seigneur au nom de Saint-Jésus-Christ. Go in the peace of the Lord in the name of the Lord Jesus Christ. Appartiens-tu à l'épouse de Jésus? Sera-ce pour toi un jour de joie ou un jour de frayeur? Quand il reviendra sans vêtements, sera-t-il pur et serein? Oui, c'est l'instant d'être prêt pour le Christ. Oh, Maranatha, Maranatha, Alléluia, Maranatha, Alléluia. Prêt pour le festin, oh, Maranatha.
Nani wa mapenda.